webcam, je suis désolé. Elle est pas ouf, il faudra que je la règle un peu mieux que ça. Voilà, ça ira bien pour ce soir. De toute façon, le vrai sujet, c'est pas moi, c'est le jeu. Hop, allez, c'est parti. Ouais, un stream très très tardif, je suis désolé, il passait un truc sur Friends ce soir sur le web, je suis très très fan de la série. Ok. Alors du coup. Alors Doom Eternal, en fait j'ai commencé le jeu il y a déjà un petit moment. J'ai bien avancé. Je joue en mode normal. Je ne sais pas où j'en suis exactement. Je sais que j'ai bien avancé, mais... Salut James, ça va? Alors je disais je suis très flou, je suis très bleu, tout va bien, c'est normal, c'est une nouvelle caméra. Le son du jeu est un peu fort. Okay. Ah oui, effectivement, le Elgato était un peu à fond. Donc là, c'est bon. Tac. Si maintenant c'est un peu l'inverse. Oh bah putain, ça commence fort. Oh la vache. Attends, oui, ça. C'est très bien que ce truc ce soit tardif parce que le jeu est un peu précis. Ils sont tellement rapides, tellement agiles, c'est l'enfer. Oui, j'ai ma sulfateuse qui est bleue, bonne truc, tout va bien, c'est normal. Au cas, c'est normal, c'est ce qu'on appelle les glory kills. C'est la façon de se régénérer dans le jeu et aussi avec la tronçonneuse de récupérer des munitions. C'est pas à l'ancienne où il suffisait de trouver des. J'ai besoin de supplier des munitions en tronçonneuse. Ce headshot à la grenade. Dans les phases d'action comme ça, il faut toujours finir au glory kill le plus possible pour toujours maintenir sa vie comme il faut. C'est ce que j'ai développé pour pouvoir les missiles assez loin. Et j'ai réussi à passer. Alors qui est la portail pour la suivre. Nous devons réactiver la porte et retourner sur Terre. D'accord. Tiens, parfait. Je sais tellement ce que je cherchais. Voilà. Munitions, je suis
mission, pas full bar. Je suis pas full life par contre. Ok, maintenant les phases de plateforme de l'enfer. Ça c'est petite reproche au jeu, j'ai envie de te dire. Les phases de plateforme, est-ce qu'on en avait réellement besoin? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Côté deux qui veut essayer d'en faire un peu trop. Tiens, c'est bizarre. Ça. Comment je sais pas y aller? Ah non, c'est ce que je vais essayer d'atteindre. D'accord. Mais encore. Par contre, des fois, il y a des petits soucis de level design où tu sais pas trop par où aller. Ah, il est là, d'accord. Saut, là-bas, magnifique. Ça, c'est intéressant. Là, ce que j'ai récupéré, c'est une munition en fait pour mettre en route mon sabre laser, on va dire. C'est l'épée du sentinelle. Par contre, tu vois, au milieu, il y a que 3 charges. Moi, je suis chargé, je n'ai que 2. Mais bon, je vais rester sur mes armes. J'ai raté. C'est un courage. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, il m'a carrément ramené. Attends, où est-ce que je suis? Attends. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Tomber, tout fait avancer, on va dire que c'était un damage boost. J'ai raté un secret, oui, j'ai raté un secret visiblement. Un secret perdu au milieu de nulle part. Attends. En tout cas, ça au moins c'est bien foutu, j'ai développé une compétence qui te permet de voir juste où sont les secrets. Ah, il est là, il est là. Finalement là, ça va, c'est les phases de plateforme, on arrive à peu près à jouer. Ah, j'ai débloqué une musique. Quake 2. Ça c'est génial parce que tu débloques des musiques dans les secrets, il y a des musiques de tous les jeux Hit Software. T'as les Doom, Doom 3, Doom 1, 2, c'est bon, Doom 2016, et t'as aussi les Quake, et t'as même aussi Wolfenstein 3D. Donc quand tu reviens dans ta base, dans ton hub, tu peux aller en te baladant dans les couloirs, mettre un peu de musique. Tiens, c'est toi qui as tout gagné. Et donc ouais, tu peux mettre la musique qui va bien avec toi.
bon bouton, c'est celui-là. C'est tout ce qui a débloqué autour des armes, des compétences, des trucs en voiture, voilà, des... En fait, le jeu te noie dans tout un tas de trucs. Personnellement, je sais pas que je trouve ça inutile, parce que, en fait, tu finis par devoir l'utiliser dans le jeu. Mais avait-on besoin pour un Doom d'autant de choses, en fait? Je sais pas. Les questions méritent d'être posées, je trouve. Si je te tire dessus. Ok, attends, faut d'abord que je fasse ça ici. Parce que ça sera... Je devrais déclencher un mot spécifique. Ça, ces endroits-là, quand tu les déclenches, là par exemple, ça, je vais utiliser. Et ça va appeler, je vais avoir un minimum de temps, je vais avoir quelques secondes. Pour tuer certains personnels, enfin certains ennemis. Je peux le relancer, mais la flemme IX, du coup, c'est pas grave, maintenant je me retrouve sans énergie. Merde, ah, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je suis mauvais. Et attache-toi. Bah oui, bah normal. Ça, j'en apprécierai le petit bug d'afficher. Première fois que je meurs comme ça sur une phase de plateforme. Bon. Il m'est déjà arrivé de galérer à passer, mais là c'est trop con. Ah bah ça m'a encore fait avancer. Mais... Hop. Un petit one-up. En fait, le one-up, c'est pendant les phases de baston. Putain, ça fait damage boost en fait, c'est marrant cette histoire. Donc là je suis passé, ok. Mais non, mais attends, ah non, ça va pas. Ah non, c'est tout à l'heure j'ai raté le one-up en fait, il m'a pas du tout fait avancer en fait. Et vous êtes de retour. C'est quoi pas? Mais non, non. IX. Pas du tout, pas celui-ci. Et celui de 2016, tu l'as fait? Putain.
Ouais, sur PS4, ouais. 2016 un peu, ouais. Tu vois, bah du coup, c'est dans la continuité, niveau scénar. Et c'est top. Vraiment, c'est top. La seule chose que je reproche au jeu, c'est ce côté vouloir en faire beaucoup trop. Te mettre des options partout, débloquer des milliards de trucs. Le lore est très développé. C'est pareil, est-ce qu'on avait besoin d'aller jusqu'au niveau de détail pour un Doom? Bon, c'est, chacun est libre de son opinion. Personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais bon, ça va, c'est, ça casse pas le rythme. Quand tu joues, t'es pas emmerdé par une cinématique toutes les 3 secondes. Quoi. Et ça va, ça se fait bien. Bon, ça, je peux pas... Ah, attends, je peux ou pas là? Est-ce que je peux? Non, ça lui faut encore deux. Rocher rapide, c'est fait. Ça, je peux pas parce qu'il faut toutes les améliorations. Là, j'ai acheté des trucs ou pas? Ah non, ça je peux. L'arbalète, elle est trop bien. Ok, son boost, je trouve le total. Vas-y, laisse-moi. C'est la vie qui s'est enclenchée. Quand ils sont boostés, c'est relou parce qu'ils sont plus rapides, plus puissants. Ah, la vie. Merci. J'ai fait ça. Presque fini. Voilà, il y a des astuces en plus quand ça recharge, ça montre que quand tu il a son bouclier, il faut soit détruire sa base sur laquelle il vole pour
la base, en fait, c'est elle qui génère le bouclier de l'ennemi. Donc il y a deux solutions. Soit tu lui tires au plasma dessus sur le bouclier pour faire tomber le bouclier, ou alors tu détruis la base. Il y a plein de nouveaux ennemis en fait dans le jeu, c'est très stylé. Les deux big là, c'est pas bon. Thank you.
putain, ouais, y a toujours ce truc là. Ah, j'ai raté un truc au passage. Hein. J'ai plus oublié. Ok, c'est par là. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir repasser et m'arrêter. Hop. Attends voir. Oh, il est... revenir en arrière parfois, des fois t'as pas cette chance et du coup un secret est un secret perdu si tu l'as pas récupéré quand il fallait. Et le jeu te fait découvrir dans ces secrets, il y a des trucs qui sont marrants, c'est des cheat codes en fait que tu débloques qui te permettent si tu veux de rejouer certaines missions en activant du coup des cheat codes et même pour le mode aventure en fait tu peux débloquer, tu peux jouer avec les cheat codes mais bon ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si tu veux rejouer des missions avec des trucs où t'as des cheat codes, bah c'est sympa parce que du coup ça te rend le truc un peu moins chiant. Juste pour retrouver un secret à tout. C'est juste le truc avec un... Ouh! Petite statuette, pareil pour ta... Ah, il y a eu un téléport en plus. Okay. Petite statuette pour ton hub, toujours. Scénario, c'est des anciens coéquipiers corrompus par l'empereur. Merde, si tu fais tout ça. Dommage, début. Et d'ailleurs, le truc drôle, c'est que j'ai débloqué un costume alternatif où j'utilise en fait l'armure des anciennes sentinelles et donc je suis habillé comme un maraudeur. Espèce de machin que j'ai. Je vais rester là, ça va me buter d'abord.
Ok, bonne soirée à toi. C'est intéressant ça. 7, ouais, du coup je peux terminer les améliorations de l'armure. Est-ce que ça va me débloquer un truc? Je ne peux pas choisir. Ok. Ah, code de triche. QuakeCon débloqué. Vous avez débloqué le code de triche QuakeCon. Activez-le. Alors, par contre, je n'ai aucune idée. Et écoutez la foule en délire s'exclamer et s'ébahir devant vos carnages. Très bien. Hop. Insérez Vega pour activer le portail. Je sens que c'est pas lui. Système acquis. Calcul de la trajectoire vers la dimension Terre. Je peux
Suis-je le père de Tyrell? Vous devez aligner les autres anneaux du téléporteur avant qu'il ne soit trop tard. Le portail doit être réactivé. Tant que l'icône du péché se trouve sur Terre, sa puissance ne cesse de croître. J'ai encore mon BFG. J'ai un truc au niveau de la carte. Est-ce que je suis loin de la sortie? Encore des trucs à faire. Ouais, je suis pas rendu. Du coup, je vais peut-être garder le BFG pour plus tard. Ça suffit.
caisse de munitions qui traîne. Est-ce qu'il y a un secret dans le coin? Il n'y arrive pas. Ok. C'est... T'as deux choix à faire. C'est bon, calmez-vous. Ah, heureusement, je viens de récupérer un item qui me donne toute ma vie. Ça y est, pas à chier, c'est de nous. Laisse-moi, mais putain, mais cassez-vous. Thank you.
Il est pas trop sacré passage.
du coup je vais prendre l'autre là. Ouais, c'est ça. C'est un fail. La Kamaker a besoin de voir la terre consumée par les démons. Ou alors son monde mourra. Bien. On est toujours d'accord, James, qu'on se capte demain matin. Bah, c'est pas que c'est naze, c'est juste que il y a un timing à choper, mais que on est dans Doom, hein, on est pas dans Mario. Mais d'accord. Je sais pas pourquoi les mecs se disent ah ça va être trop stylé, on va mettre des phases de plateforme dans nos jeux alors que c'est des jeux de tir courant. J'ai des comme des doutes les gars. Par contre après on peut pas reprocher la direction artistique, elle est ouf. Les mondes développés c'est génial, c'est du taf de dingue hein. La Kamaker a besoin de voir la terre consumée par les démons. Ou alors son monde mourra. Ça gonfle tout le monde. Ce sont des génies qui vont dire oh mais non, je vois pas le problème, j'y arrive toujours. À côté de ça, bah les autres, les mecs lambda comme moi, hein, n'arrivent pas. Ça passe, c'est stylé, mais tu veux que ça passe. Non. C'est très bien. 10h, on se mettra sur Discord et on fera un point sur les questions. Il n'y a pas fait gaffe que ça streamait ce soir. Moi, mais ça a streamé hyper tard. Hein. J'ai commencé qu'à 11h15. Tu vois. Donc, t'inquiète pas, holistique, t'as rien raté. Holistique ou poilistique, d'accord, très bien. Ouais James, 10h et on y va à la cool, hein. C'est juste on fait le point sur les questions
qu'on veut faire pour la fac et là c'est juste ça. On se calera une date genre dans la semaine prochaine pour tourner ça. Il faut le temps, j'ai encore des trucs à régler à la maison. J'ai encore des trucs à faire. Sur le Discord, je suis entièrement d'accord, c'est une réussite, c'est vraiment top. J'ai écouté l'autre jour la radio, bah d'ailleurs j'étais avec toi James, on écoutait la radio de Arcade, c'était vraiment...
nouvelles sont venues depuis la session. Comme quoi, vas-y, balance, ne serait-ce qu'une. Et Ridge Racer, on s'est touillé tout le week-end avec les potes. Session schmuck, on a surtout fait de la course. Ouais, bien. Non, je déconne. Ouais, j'ai fait quand même plus de schmuck que de Ridge Racer. Et du 2X. Je suis pas au début là, je suis en vrai je sais pas où je me situe dans le scénario, mais je suis assez loin. J'ai bien avancé, ça fait déjà quelques temps que je suis dessus, mais des fois tu vois il y a des passages où tu bloques, tu vois il y a des fights assez monstrueux et voilà, et c'est la galère. Mais
bon, après, des fois, tu reviens le lendemain, puis pouf, finalement, tu trouves la solution. Old school, en vrai, c'est juste parce que c'est du fast FPS, mais je le trouve pas old school hein, du tout. C'est dans ses mécaniques, justement, ils ont bien renouvelé le gameplay, tu vois, avec les glory kills, le fait de devoir faire des glory kills pour se régénérer, d'être toujours sur la corde raide. J'ai jamais, à aucun moment dans le jeu, ta barre de vie est pleine, c'est jamais le cas. Quand elle laisse parce que t'as récupéré l'item qui régénère l'armure et la vie. Et il y en a genre 3 dans le jeu peut-être vite fait. Et le but c'est de toujours être en mouvement, toujours balancer tes glory kills quand il faut. Toujours être dans l'action. Mais et puis le truc c'est que t'as une retry, hein, c'est pur et dur. Tu réfléchis à comment tu vas passer le cap, comment tu vas faire pour passer le fight, t'es bloqué. Tout en étant dans la réflexion, mais pas toujours dans le skill pur et dur. Du coup, c'est aussi pour ça que le jeu en fait un peu trop au niveau des compétences à débloquer. Finalement, ça prend son sens, mais finalement, je crois que ça fait un peu too much. Fan des anciens Doom, j'ai pas réussi à m'adapter à ce nouveau. Ah, c'est un coup à prendre. Moi je surkiffe les Doom, hein. Je les ai tous faits. Le 1, le 2, le Final, le 3, le 64. Ils ont tous leur truc. Le 3, j'ai préféré la version BFG qui était sortie sur PS3 et 360. Je trouvais qu'elle était plus plus à l'ancienne. La première version de Doom 3, avec le fait de jouer plus sur le côté horrifique en fait. Et là, c'est là où j'ai pas trop approché. Il y avait un côté un peu trop. Ça se prenait pour un Resident Evil alors que ça. Yeah.
140 points de vie, je suis à 30. C'est qu'il y a toujours une saloperie qui traîne, un petit là. Demain boulot 6h, bonne soirée ensanglantée, bien speed ce dash avec le dash, ouais le dash est ouf. Heureusement qu'il y a ça. Ah, parce que j'ai raté un secret. Dans les phases de fight généralement il y en a pas. Attends, what? Qu'est-ce qu'il dit? Ah si, j'ai raté un truc. Ouais, en fait c'est...
week-end. L'icône du péché au simple tac, le sceau a été brisé. Les démons peuvent désormais arpenter le vide en toute liberté. Vous avez condamné tout son peuple et cet endroit sacré à la damnation éternelle. Mais c'est son arrogance qui a fait entrer l'icône en orbite ici. Finalement, son orgueil a détruit le paradis. Qu'est-ce que c'est, c'était le paradis? Les anneaux sont entièrement alignés. Le portail dimensionnel vers la Terre est ouvert. Rendez-vous à la plateforme d'atterrissage et empruntez-le. La Terre n'a plus beaucoup de temps. Ok, chef. Ça, c'est... Je pense que c'est la fin de mission.
Kamaker est proche. Elle ne peut pas vous laisser quitter cet endroit en vie. Tant que l'orbe se trouve dans sa poitrine, elle est invulnérable. Retirez-le, et ses défenses tombent les unes après les autres. Nous avons survécu des millénaires. D'autres ont été sacrifiés au nom de notre prospérité. Et ils ont ainsi pu trouver la rédemption. Qui es-tu ? Vulgaire humain, ancien mortel, pour aussi défier tradition. Jusqu'à présent, du coup, c'est très déstabilisant. J'ai pas compris comment réussir à faire tomber son bouclier. On va essayer comme les Dawnmonter.
la toucher sans faire tout leur truc là, mais par contre c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Ok, mais j'ai pas compris, je me rappelle même plus comment. Excusez-moi. J'arrive même plus à me rappeler comment on utilise le grappin. Tour de passe-passe, augmente la vitesse de recharge du shotgun. Ok. Et là, je peux carrément me passer de faire le défi. J'utilise le jeton. Crochet enflammé. Le crochet bouche enflammé. Enflamme momentanément les ennemis. Ok. Tirez-leur dessus avec le super shotgun pour qu'ils lâchent des éclats d'armure. Ouais. Mais purée, comment c'est déjà la manip.
compagnie.
il est tendu celui-là. Un vrai combat de boss, hein. Ça change du truc bourrin et de... petite subtilité dans le fight. Par le fait de la toucher que je me suis... Je crois, voilà, je suis un peu crevé et le jeu a pas l'air de vouloir me lâcher, donc on va stopper là et on essaiera de le buter une autre fois. Allez, bisous à tous, s'il restait du monde, bonne nuit.